amis internautes, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 février. D'ailleurs, c'est une année bissextile, donc nous sommes le 29 février. Et je suis en compagnie de ma collaboratrice dans l'association Fatima. Et nous allons vous parler de la petite Asna. Asna, est-ce que tu peux venir? Asna, viens. On va voir Asna son problème. Vas-y, Asna. Asna. Vas-y, Asna. Ça, c'est Asna qui vient de Sidi Slimane. Tu fais beaucoup comme ça, Asna? Je viens par là. Hein? Donc, amis internautes, voilà, je vous présente la petite Asna. Et vous voyez que la petite Asna, elle a un problème au niveau des pieds. Vous voyez comment elle marche? Vas-y, marche un petit peu. Vas-y. Voilà. Voilà. Voilà son problème. Il est là. Donc, nous avons trouvé. Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, Fatima? Elle a dit Asna, je viens de se dire, c'est اللي هي مسكينة عندها إعاقة جسدية في الرجلين وهي الحمد لله عرضناها جات مع الأب ديالها جات مع مرت الأب اللي عرضناها على طبيب أخصائي ديال العظام واقترح لنا نديرو لها واحد الأوبيراسيون اللي الحمد لله تكلف بها دكتور مسفر والحمد لله دابا راه درنا لها ديزاناليز أولا هما اقترح لنا باش نديرو لها ديزاناليز صيفطنا ديزاناليز لبرا وجاو ديزاناليز راه مسيو بالزبان كلينيك بوزوبان لابوغاتوار بوزوبان الحمد لله جا خرجوا ديزاناليز دابا راه ان شاء الله عندها غدا عمليه وكنقترحوا للمشاهدين باش يشوفوها لانها واحد الطفله اللي رائعه في التربيه ديالها والشخصيه ديالها قويه رغم هذه الاعاقه ديالها والحمد لله غدا ان شاء الله غادي تمر من هذه العمليه بسلام ان شاء الله وكنتمنوا لها صحه جيده دونك فوالا عندنا لا بتيت اسنا كي لا Et puis demain, elle va se faire opérer. Elle va aller à la clinique Zertouni. La clinique Zertouni, le docteur Lemsefer va l'opérer. Le laboratoire Bouzouba nous a offert les analyses ainsi qu'un contributeur. Parce que les analyses étaient très très chères. Et un contributeur nous a envoyé de l'argent aussi pour payer une partie des analyses de cette petite fille. Puisqu'elle a certaines analyses qui ont dû partir en France. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir traiter le cas ici au Maroc. Alors, on est très contente. On est toutes contentes, hein, à l'association, tout le monde est content, tout le bureau. Pourquoi? Parce que cette petite fille qui va se faire opérer, eh bien, est là, une de celles qui suit cette longue chaîne de petites filles ou de petits garçons dont Maghreb Secours s'occupe. Alors, on vous la montre là, vous voyez son problème qui est de naissance malheureusement. Elle a le talon d'Achille et les pieds qui sont complètement déformés. Elle a les jambes, elle n'est pas très grosse non plus. Donc on va la mettre à la clinique. Demain matin, elle sera opérée. On a rendez-vous à 7h. Elle sera opérée vers 8h. On aura de ses nouvelles. Son papa nous l'a amenée de Sidi Slimane. Il pleurait parce qu'il ne croyait pas qu'on puisse faire opérer sa petite fille. On remercie beaucoup la clinique Zertouni qui gratuitement a fait ce geste. On remercie vraiment le docteur Lemsefer. On en remercie aussi le docteur Bouzouba pour les analyses. Et puis, on va vous donner des nouvelles. Alors, cette petite fille, elle est étudiante, vous le verrez sur les autres films, de l'école de Sidi Slimane. Et nous cherchons des contributeurs pour absolument refaire cette école, puisque cette école est assez écroulée dans son ensemble. Les enfants ont froid, donc il faut qu'on les aide. Donc, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à venir nous aider pour les enfants. On est très contents, hein. Et toi, tu parles pas beaucoup? Chokran Niko, chokran Monsieur Bouzoubert, chokran le docteur Safer. Ben oui. Chokran docteur. Elle parle pas beaucoup, la pauvre petite, parce qu'elle est un peu intimidée. Chokran docteur Safer. Monsieur Bouzoubert, chokran Routi. Chokran. Alors, ici, elle dit chokran. Oui. Et chokran. Au revoir, à bientôt. Merci.